quelques années seulement, et puis les hasards de la vie professionnelle et familiale font que tu viens pour 2-3 ans et tu restes 30 ans. Puis bon, une petite ville de 16 000 habitants, 17 000 habitants, c'est parfait pour la vie de famille. Les écoles étaient là, juste à côté, t'avais l'école de musique, t'avais le sport pas loin, t'avais les commerces à 50 mètres. Bon, c'était la vie rêvée. Les souvenirs les plus marquants, il y a des opérations d'urbanisme qu'on a fait, le gymnase, la mairie, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le cinéma évidemment. Il y a 30 ans, c'était pas comme ça. Hein. C'était plus conservateur, je dirais, plus traditionnel. T'avais pas le brin de modernité. L'hôtel de ville a été un élément déclenchant. T'as eu la gare routière, t'as eu l'espace Montréal. T'as eu une architecture nouvelle qui a fait une certaine dynamique. Quand bien même, on a eu le souci aussi en centre-ville de maintenir un centre en ville ancien, protégé et puis de qualité. Pour moi, l'architecture, la vie en ville, l'aménagement urbain, c'est un signal important pour le bien vivre dans une ville, dans une collectivité.